Primus ipsi reliquus sensibus. Bienvenue dans ton nouveau foyer. Non ! Pas le fer rouge ! Pitié ! Tout, mais pas ça ! Ils arrivent ! Ils viennent nous exterminer ! Qu'est-ce que tu regardes, merdeux ? Eh oh ! Je dois parler à quelqu'un ! Personne ne viendra d'aide nous délivrer ! Ouvrez cette porte ! Crie tout ton sourd. Tout le monde s'en fout. In bello parvis momentis magni casus intercedit. Où est-ce que t'as trouvé ça, merdeux ? Arrête, je ne suis pas d'humeur. Rends-la-moi ! Viens me la reprendre. Si tu t'en crois capable. Joli coup, merdeux. Voyons si tu te défends. Je suis à sa place. Tout ça pour une misérable antiquité. Je connais une misérable antiquité qui ferait certainement mieux que se taire. Répète-moi ça. J'ai rien d'autre à te dire, vieillard. Rends-moi ce qui m'appartient, et retourne à tes dessins, vieillard. Mes dessins? Ces dessins, là, il y en a partout. Tu as couvert toute ta cellule de tes pattes de mouche. Mais... Approche un peu, petit merdeux. Tu vas me lâcher? Regarde bien le mur. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-le. Concentre-toi. Qu'est-ce que c'est? Des messages du passé. Je me suis fait jeter dans la moitié des prisons de Paris pour les trouver. Comment tu t'appelles, petit ? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Je m'en doutais. Pierre Bellec. J'ai connu ton père. T'en as de la chance. Il est mort à Versailles. En quelle année déjà ? 76 ? 77. En décembre, si je me souviens bien, et pas de témoin. Comment sais-tu ? Mon père était un assassin, Arnaud. Il s'est battu toute sa vie, afin que l'humanité puisse vivre libre. Reste à mes côtés, et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la confrérie. Et faire honneur à sa mémoire.
Écoute, je suis persuadé que ta petite secte est vraiment charmante. Mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est retrouver Elise. Et comment tu comptes t'y prendre depuis cette cellule ? Concentre-toi, merdeux. Mais qu'est-ce qui se passe dehors ? Les citoyens s'agitent. Tends bien l'oreille, la chance pourrait venir frapper à notre porte. C'était un coup de canon. Parfois, la chance frappe en faisant exactement le même bruit. Protégez les prisonniers. Fais comme moi. Couvert. À moins que tu préfères pourrir ici pour le restant de tes jours. Rendons ça. Pressons. Prisonnier, debout contre le mur. Au nom de qui? Vous avez bien dit que ça finirait mal. Silence. En arrière. De sortir de ce trou. Vous là-bas ! C'est le moment de courir ! Quoi qu'il arrive, reste près de moi. Laissez-moi sortir ! Tiens bon, Damien ! J'arrête plus ! Fermé ! Tu vas devoir les retenir, merdeux. Si on poignarde, je te jure que je viendrai te hanter. La porte est ouverte ? Pas encore. Mais un problème. On va le sentir passer. Une solution. Merveilleux. Je sais faire. Surtout, prends ton temps, Bélec. Dis-moi que tu plaisantes. Ça y est! On y va, merde! Si peur que ça! S'ils sont dans la cour intérieure, nous sommes perdus! Quoi? Tu aurais dit. Par la fenêtre! Dis-moi que tu plaisantes. Ça y est! On y va, merdeux! Dans la fenêtre!
Par ici! Feu! Mais tirez, bon sang! Retenez les prisonniers! Et maintenant? Bravo! Et comment on fait pour redescendre? Et confiance! Je me rends! Qu'est-ce que t'attends, merdeux? Il faut sauter! Quoi? La prison t'a ramollé la cervelle, vieillard? Le vin s'en est chargé depuis longtemps. Allez, grimpe maintenant! Je ne peux pas, c'est impossible! Impossible? C'est le pain quotidien des assassins, petit. Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Tu te sentirais chez toi. Au revoir, merdeux! Toi, éloigne-toi du rebord! Élise? Eh bien, quel accueil? On n'est jamais trop prudent. Pas après ce qui s'est passé. Élise, je... N'as-tu pas déjà assez remercié mon père de sa bonté? Élise, je t'en prie. Comment peux-tu croire que j'ai tué Monsieur de la Serre? Ton père n'était pas l'homme que tu croyais. J'ai vécu la même chose avec le mien. Je sais exactement qui était mon père, Arnaud. Et je sais qui était le tien. Je suppose que c'était inéluctable. Tu es un assassin, moi un templier. Toi? Ça te surprend? Mon père a toujours voulu que je suive la même voie que lui. Désormais, je ne peux que le venger. Je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort. Tu te trompes. Non. Non! Sur mon âme, je jure que je n'ai pas. C'est... Une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué. Lila. Grand maître de la Serre, l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le père de la sagesse vous guider, elle. Je l'ai trouvée par terre dans la chambre de mon père. Cachetée. Je ne savais pas. Mon père non plus. Comment aurais-je pu savoir? Va-t'en. Je t'en prie. Thank you.
le diable, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?